Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite donc de notre carrière avec l'épisode 6, la carrière UCI World Tour sur le jeu de Tour de France 2019. Donc en collaboration avec les abonnés. D'ailleurs il y a encore des gens qui suivent la carrière mais qui n'ont pas rejoint le Discord. Donc je vous conseille vivement de rejoindre le Discord qui est en description, c'est gratuit, ça prend 10 minutes, voilà. Parce que si vous rejoignez pas le Discord, vous êtes un peu perdu dans la carrière, voilà, y a plein de trucs cool, en plus y a des journaux et tout, il y a des conférences de presse, enfin vous allez voir, c'est vachement sympa. En plus vous pourrez peut-être. Vous aurez peut-être la possibilité de prendre le contrôle d'une des équipes sur le Discord. Par exemple, vous prendrez le contrôle de je sais pas, par exemple, UAE Team Emirates si le directeur sportif du Discord s'en va. Et comme ça, vous prenez le contrôle et vous pouvez choisir toutes les startlists, tous les transferts et tout. Enfin, vous allez voir, c'est très sympa. Pour ceux qui n'ont toujours pas rejoint, donc je vous conseille vivement de le rejoindre. Allez, on passe du coup à la vidéo. 5 courses aujourd'hui, mais pas des moindres, puisqu'on va faire les 5 Flandriennes belges. Il restera encore le Paris-Roubaix en termes de classique pavé juste après. Mais voilà, aujourd'hui on va faire l'essentiel avec donc les 5 Flandriennes belges. Donc les 3 jours de Bruges-La Panne, le Grand Prix de Trois-Arrêts-le-Bec, ou Pikbank, hein, je sais plus comment ça s'appelle. Le Gent-Wevelgem, à travers la Flandre et le Tour des Flandres. Donc ce sera tout ça aujourd'hui. 5 courses, dont 3 qui sont vraiment pavées. Les autres, et les 2 autres, vous allez voir, ce sera un peu moins dur. Donc bah voilà, on les fera dans l'ordre de toute façon hein, du calendrier IRL. Je vais vite vous présenter pardon, la totalité des équipes et les start list. Donc du coup là on va commencer avec les 3 jours de Bruges-La Panne. Je vous montrerai le parcours juste après. Bah, c'est inspiré hein, des vrais parcours de toute façon. Donc il n'y a pas trop à se creuser la tête de mon côté. C'est inspiré des vrais parcours. Donc on aura un parcours assez plat avec certainement une arrivée au sprint. Sylvain Groenewegen avait remporté cette course en avril dernier. Ou mars plutôt, ouais, mars dernier. Donc comme d'avis, ce sera la même chose. Non, avril. Avril, je crois. Bon, on s'en fiche. Du coup, AG2R la mondiale avec Oliver Nassen qui va finir sur le podium. Bon, là, Arkea, il n'y a personne. La Astana Pro Team avec Axel Lutsenko et Magnus Kortensen aussi. La Brands-Rohe avec Peter Sagan et Pascal Ackermann. La Bahrain Merida avec Sonny Colbrelli. CCC avec Greg Van Avermaet. La Cofidis avec Christophe Laporte. La De Koninck, Philippe Gilbert, mais aussi Elia Viviani. L'AEF Education First avec Seb Van Mark, groupe AFDJ avec Arnaud Démare, donc c'est notre équipe, je vous montrerai l'effectif total juste après. La Jumbo Visma avec Wout Van Aert, Lotto Soudal avec Jasper Dubuist, Matteo Trentin pour la Mitchell Scott, la Movistar Team avec Jascha Zetterlin. C'est bizarre, ils montent que des coureurs à pavé, donc je suis assez étonné. Van Rensburg à la Dimension Data, même s'il y a quand même Nizzolo. Je suis peut-être trompé d'étape, je sais pas. Gianni Moscon pour la Team Ineos, la Katusha avec Nils Polite. La Sunweb avec Michael Matthews, la Direct Energy avec Adrien Petit, la Trek Segafredo avec John Degenkolb, Marcato à la UAE Team Emirates et la Wanty Gobert avec Frédéric Backart. Donc on va partir du côté de la groupe AMFDJ. Je vais vous montrer l'effectif complet de mon équipe. Donc voilà. Avec donc Arnaud Démare. Donc il y aura 5 classiques. Et sur les 5 classiques, il y aura des startlists différentes, évidemment. Moi, il y en a 2. Donc Gent-Wevelgem et 3 jours de Bruges-La Panne, j'ai mis la même startlist. Et E3 à travers la Flandre et Tour des Flandres, j'ai la même startlist. Donc voilà, j'ai 2 startlists pour toute la vidéo. Ah bon, vous verrez, ça va pas trop être compliqué à suivre. Pour mieux suivre encore, il faut rejoindre le Discord. Voilà, je force un petit peu, mais si vous voulez vraiment prendre du plaisir à regarder cette carrière, faut vraiment rejoindre le Discord. Voilà, voilà, donc du coup, groupe AFDJ avec Arnaud Démare, Marc Sarrault. Anthony Roux, Guarnieri, Cinquelna, Marmirail, Bonnet, voilà une équipe classique hein, de sprint pour notre équipe. Et donc, du coup, voilà, ouais, c'était bien la course que j'avais choisie. 3 jours de Bruges-La Panne, donc entre Bruxelles et Bruxelles. Donc, en vrai, je crois que c'est entre La Panne et Bruges. Hein. Je crois que c'est entre La Panne et Bruges, je suis pas sûr du tout. Je crois que ça peut-être arriver à La Panne, enfin bref. On est parti, les amis. Il y a du gros qui nous attend juste après, avec notamment à travers la Flandre, le 3 et le Tour des Flandres. Donc, là, on est sur une classique plate. Donc on va pas trop y passer de temps non plus. On a 8 km de l'arrivée à La Panne. Donc hein, c'était bien départ à Bruges et l'arrivée à La Panne. Allez, on est revenu du coup sur ce petit groupe qui a fait un écart. Il y a des attaques. Hein. Dans le final, il y a des attaques pour éviter l'arrivée au sprint. Avec notamment Pim Littart qui vient d'attaquer. Allez, on y va nous avec Arnaud Démare. Parce que là, il y a un bon groupe qui est sorti. Un bon groupe de 10. Allez, on s'accroche. La roue de Nassen là. Voici la composition du groupe. Avec quand même Morkov, Sagan, Stuyven. Lutsenko notamment, pas n'importe qui. On avait dit que ça allait être une arrivée au sprint aujourd'hui. Après, c'était pas impossible de voir des baroudeurs dans le final, des punchers attaqués. Dans ce final, légèrement vallonné. Allez, attaque de Alexei Lutsenko. C'est vrai que Marc Sarrault remonte pour venir me protéger dans ce final.
Allez, on va demander à Armirail, Bonnet de prendre leur gel rouge. Allez, où est Marc Sarro? Marc Sarro est pas là. Marc Sarro est pas là. Allez, Lutsenko qui fait l'effort. Maintenant, ça va être tout plat jusqu'à l'arrivée. Plus moyen de faire des écarts dans une montée. Donc, il va falloir être un homme très fort dans les virages ou très fort sur le plat hein, pour surprendre les adversaires. Mais a priori, on va avoir une arrivée au sprint ici à la panne. Allez, Lutsenko qui arrête son effort. Oh, Guarnieri. Guarnieri qui est juste ici. Fais-nous rêver. Fais-nous rêver. Je vais lui donner son rouge. Allez, 3 km. On est magnifiquement emmené là hein, avec Arnaud Démare. Allez, 2 500 km. Le final, on les fout plein montant, on le rappelle. C'est qui? C'est Anthony Roux qui est remonté. Ouais, je préfère quand même Guarnieri. Ou l'attaque. Ou l'attaque de Jasper Stuyven. L'attaque de Jasper Stuyven sur la droite. Suivi par Johan Ofredo, Seb Van Marck et Roger Kluge. On avait Vianney avec son beau maillot de champion d'Europe aussi sur la droite. Allez, est-ce qu'on va s'imposer ici? Ah, je suis pas très très bien placé. Oh, je me fais bloquer. Je me fais bloquer avec Arnaud Démare. Oh, je me fais bloquer par Guarnieri. Je me fais bloquer par Guarnieri. Allez, sur la droite de la route, Viviani. Avec Colbrelli, avec Dylan Groenewegen, on va venir chercher une cinquième place avec Arnaud Démare, pardon. Et si je dis pas de bêtises, c'est Sonny Colbrelli qui s'impose à l'avant. On va voir ça tout de suite au ralenti. Voilà, oh j'étais à fond là, comme vous avez pu le constater. On s'est fait bloquer avec Arnaud Démare. Pour moi, c'est l'une des seules classiques où on a vraiment une chance de victoire, parce que les classiques où il y aura trop de pavés, ce sera trop compliqué. Et Ganvevelgem, pour moi, le final sera très très confus. Donc là, c'était l'une des seules classiques où on avait vraiment une chance de victoire. Allez, déjà on a Viviani out. Ça se joue entre Groenewegen et Sonny Colbrelli. Et la victoire est pour Dylan Groenewegen. Victoire pour Dylan Groenewegen sur ce 3 jours de Bruges-la-Panne. Devant Sonny Colbrelli et Caleb Ewan. Et la quatrième place revient à Elia Viviani devant donc Michael Matthews. Et je crois que c'est une sixième place pour Arnaud Démare. Juste devant Michael Morkov certainement. Et donc voici le podium, Groenewegen devant Colbrelli, Ewan, Viviani, Matthews, Morkov, Démare, Sénéchal, Gilbert, la de Quenin qui se fait plaisir. Malheureusement, aucun coureur sur le podium, mais beaucoup dans le top 10. Trentin, 10e. Et donc voilà pour le top 10 avec Kuznetsov, 11e pour la Katusha. Pardon, pardon. Donc voilà, un top 10 pas trop trop surprenant, hein. On a quand même des bonnes pointes de vitesse. Et donc voilà. À partir du top 11, c'est bizarre. Avec Kuznetsov, Benati, Ackermann 13e. Et Bora qui s'est troué aujourd'hui. Ackermann, Sagan, Degenkolb, Gibbons. Donc voilà le top 20, comme vous pouvez le voir. Juste là, je vais passer un petit peu. Pas tout simplement le top 154, on va dire. Le classement général de la course pour que vous voyez où se situe peut-être un de vos coureurs. Et pour que vous voyez si j'ai pas fait d'erreur dans les startlists. Parce que c'est possible, ça arrive. Et donc voilà, dehors d'Elia avec Bouet et Nolo. Et Valchon, du coup, qui finit dernier de la course à 13,43. Donc voilà, première classique remportée par Dylan Groenewegen. Qui signe sa première victoire de la saison. Si j'ai pas de bêtises, il n'avait pas remporté de course. Pas remporté d'étape hein, sur le Paris-Nice. Donc je vais aller dans l'éditeur, écoutez, je vais directement changer les différentes start lists pour qu'on puisse partir vers le Grand Prix E3. Après ce Bruges de panne mouvementé, on est donc parti les amis pour le Grand Prix E3 Big Bang, je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, course avec beaucoup de secteurs pavés, donc on va bien s'amuser un peu plus que sur la course qu'on vient juste de faire. Donc du coup, AG2R la mondiale avec Oliver Nassen, Arkas Samsic avec pas trop une grosse équipe, encore une fois Lutsenko, Peter Sagan pour la Borans Greu, Barend Merida avec Matej Mohoric, Cezé Sevan Avermaet. Cofidis, Nico Whitens a priori, la de Koenig avec Philippe Gilbert, Tim Echenat à Boisson Hagen, Education First avec Seb Van Marck, Groupama FDJ, donc on verra après, c'est mon équipe, la Jumbo-Visma avec Wout Van Aert, Katusha Alpecin avec Nils Polite à surveiller, la Lotto Soudal avec Tish Benot, Trentin pour la Mitchelton Scott, Jascha Zetterlin avec la Movistar, la Sunweb avec Michael Matthews, Ineos, Gianni Moscon, Total Direct Energy, Niki Terpstra, Trex Gaffrey avec John Degenkolb, UAE Team Emirates, Marcato et Wanty Gobert, donc avec Frédéric Bacquart. On va donc aller chercher encore une fois la Groupama FDJ. C'est le principe d'une carrière de prendre toujours la même équipe. Et voilà, j'ai changé un petit peu l'effectif. On n'a donc plus Anthony Roux qui a été remplacé par Stéphane Kung. Et on n'a plus. Alors qui c'est? On n'a plus Jacopo Guarnieri qui a été remplacé par Ignatas Konovalovas. Donc voici l'équipe avec laquelle on va partir et débuter ce Grand Prix E3.
Une distance de 153 km avec 21 km de secteur pavé donc. Et 12 secteurs pavés a priori, ils ont dû en enlever parce que de base normalement sur le 12, j'avais jamais marqué 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ils ont dû en enlever. J'avais jamais remarqué qu'ils en avaient enlevé. D'accord, bon bah il y en aura 12 au lieu de 15 du coup. J'ai toujours cru que c'était la vraie étape hein, d'Arras-Roubaix 2018. Ah non, ils ont changé, ok, bon. Ils en ont enlevé quelques-uns. D'accord, je vois pas trop l'intérêt. Bon, du coup, entre Harelbeek et Harelbeek, Zdeněk Stybar l'avait remporté en vrai. Est-ce qu'il va encore la remporter sur notre carrière tout simplement? Ou est-ce que ce sera Arnaud Démare? Pourquoi pas? Bon, je crois pas du tout. Avec Arnaud Démare, on va simplement viser le top 10, hein. Ça va être déjà très très compliqué, désolé, j'ai fait une fausse manip. Et écoutez, pour une fois Arnaud Démare, je pense qu'on va le laisser sur le côté, puisque regardez ça. Ramon Sinkeldam en excellente forme, ça lui fait un 78 pavé, 78 pleine. Donc je pense qu'on va plus s'orienter vers Ramon Sinkeldam. On va envoyer évidemment quelqu'un dans l'échappée, juste comme ça, au cas où. Ignatas Konovalovas, allez c'est parti. Allez, on est dans le secteur 4, donc il reste 4 secteurs avant la ligne d'arrivée, puis celui-là se passe très rapidement. Il en reste donc plus que 3, ça va être assez rapide hein, avant la ligne d'arrivée. On est encore 129 dans le peloton, là je suis encore avec Konovalovas, puisqu'il y a pourquoi pas quelque chose à faire. Hein. Une minute d'avance sur le peloton. Sur ce Grand Prix E3 Big Bang Classique, donc E3 Big Bang Classique, désormais c'est comme ça que ça s'appelle. Même si E3 Harelbeek c'est plus facile, bon, on va dire Big Bang Classique. Mais l'arrivée reste à Harelbeek. Allez, Oliveira qui a fait un petit écart, le coureur de la Movistar, qui se sent pousser des ailes à 28 km de l'arrivée. On est à 16 km de l'arrivée, dans l'avant-dernier secteur, donc à l'avant, regardez ce groupe de 9 qui est sorti. Ce sera sûrement le groupe qui va se disputer la victoire derrière. Je suis resté sur Konovalovas tout simplement et j'ai pas fait attention. Ça a pas trop suivi l'offensive derrière. Je vais repasser sur Sinkeldam tout de même. Peu après, je reprendrai pourquoi pas Démare si ça revient. Mais ouais, une 28 déjà d'écart. J'ai l'impression que je me suis un petit peu fait piéger avec mon coureur de la groupe AFDJ. Allez, on est sorti. On a Konovalovas toujours à l'avant. On a Démare derrière. Si jamais il y a besoin, je vais laisser quand même Konovalovas dans le groupe. Hein. Évidemment, je vais pas faire le con. Hop, on est rentré sur ce groupe. Normalement. Ah ouais, d'accord. Bon, je sais pas, je dois mal me souvenir. Allez, allez, s'il vous plaît, laissez-moi l'écart. Allez, attaque de Gilbert. Gilbert qui va. C'est vrai qu'on n'a pas de coureur de la De Koninck à l'avant. Pas de coureur de la De Koninck. Et oui, pas de coureur de la De Koninck à l'avant. La De Koninck qui a dû se faire piéger. On a deux coureurs de la EF avec Langeveld et Van Marck. Pas de Bettiol par contre. Démare qui reste dans le peloton au cas où. Ça reviendrait, mais bon, là, une 20, hein. Ça va être ce groupe de 8 qui va jouer la victoire. Julianson, évidemment, distancé. Il a fait la journée à l'avant. Il est pas Superman, il est pas invincible. Allez, Konovalova, je vais quand même demander de me protéger. Je viens juste de lui demander de me protéger. Allez, 11 km à l'avant. Ils vont arriver dans le dernier secteur dans quelques instants. Ça va se jouer la victoire, donc. Côté de ces 5 coureurs, probablement. Là, le groupe de 4 a l'air d'être piégé. Plutôt de 3, on va exclure Julianson. Donc ce groupe de 5 avec Van Avermaet, Van Aert, Sagan, Van Marck et Nason, ce qui se fait de mieux, hein, ce qui se fait de mieux dans le monde en termes de pavé. Allez, Van Marck qui attaque, c'est Van Marck qui va le courir de la EF Drapac, EF Education First. Allez, nous on est toujours emmené par Konovalovas qui va nous donner son dernier souffle. Et c'est parti, il s'envole. Allez, on est obligé d'y aller du coup avec Ramon Sinkeldam. On est obligé d'emmener le tempo. Il n'y a pas de top 10 à aller chercher, mais si on rattrape Cavendish et si on rattrape Juliansen, il y a peut-être pourquoi pas un petit top 10 et quelques points à aller chercher. Oula, hop, voilà. Le peloton à 2,30 derrière, le peloton de 82 coureurs là. Et Gilbert qui se fait piéger, hein. La De Koninck piégée sur ce Big Bang classique. La De Koninck piégée. Avec Konovalovas, il est complètement à sec, ça sert à rien de lui demander de protéger. Allez, on y va, il nous reste quand même pas mal de barres bleues avec Sinkeldam, donc on peut se permettre d'envoyer un petit peu. Par contre, j'ai plus de gel rouge, donc faut pas non plus trop donner de gel rouge. Allez, on revient du coup sur Mark Cavendish, je sais pas ce qu'il fait là, Mark Cavendish. Allez, ce secteur pavé, qui se passe derrière, et Stuyven qui fait le rythme pour le revenir dessus, pardon. Allez, le groupe de 5 qui se reforme, ça va être une arrivée au sprint certainement, je dirais comme Sagan, hein, si ça arrive au sprint. De toute façon, on a notre top 5. Gilbert qui a pas l'air dans une forme incroyable hein, à l'approche des Tours des Flandres et d'à travers la Flandre. Allez, on est 11e, c'est nul. 11e, c'est nul, on gagne aucun point. Donc faudrait au moins rentrer, pourquoi pas, sur Gilbert. En fait, je me suis trompé, Juliansen, il était pas du tout dans l'échappée, hein, ça se trouve. Hein. Ça se trouve, Juliansen, j'ai pas fait attention s'il était dans l'échappée ou si il a accroché la roue des favoris. Bon, ah, il craque enfin. Allez, peut-être un top 10 à aller chercher avec Sinkeldam. En tout cas, ça aurait été une belle perf de sa part. Derrière, ça nous revient dessus. Il y a qui dans le groupe qui peut vraiment nous concurrencer au sprint?
Ouais, attends, je pense que ça passe. Ça passe, ça passe. Allez, on va les attendre, écoutez, ils sont juste là. Il ne reste plus beaucoup de barbelés en plus. Et à l'avant, du coup, ça passe sous la flamme rouge. Qui est-ce qui va s'imposer? Peter Sagan, Wood Van Aert, Seb Van Mark, Greg Van Avermaet ou Oliver Nasson. Wood Van Aert en tête à 500 mètres de la ligne. Wood Van Aert en tête à 200 mètres de la ligne. Et c'est Wood Van Aert qui s'impose. Victoire de Wood Van Aert aujourd'hui sur ce Grand Prix E3. Il s'était imposé sur l'Umloop. Il s'impose sur le Grand Prix E3. Il est très très en forme. Attention hein, à lui sur les grosses classiques qui vont arriver après, comme le Tour des Flandres ou de Paris-Roubaix. Allez, on lance le sprint avec Sinkeldam. Si on peut rattraper Gilbert, même si j'y crois pas trop, et aller chercher la 10e place. Est-ce qu'on va rattraper Philippe Gilbert? On va rattraper Philippe Gilbert. Oh non, il m'a un peu bloqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Au pire, c'est à peine une centaine de points. On les laisse à la De Koninck. Et nous, du coup, on va chercher la 11e place avec Sinkeldam. C'est pas un mauvais résultat. C'est pas un mauvais résultat, même si bon, ça nous octroie aucun point au général. Et du coup, victoire de Wout Van Aert. On va voir tout de suite ça au ralenti, les amis. Avant Nav qui a pris la tête très très tôt, hein. Qui était peut-être pas le meilleur au sprint, mais qui a pris la tête très très tôt. Regardez, on voit Sagan bien revenir sur la gauche. Et ça se joue pas grand chose. Mais c'est Wood Van Aert qui vient s'imposer ici à Harelbeek devant Peter Sagan. Seb Van Mark qui vient chercher la 3e place. Greg Van Avermaet 4e. Et Oliver Nasson 5e. Voici donc le top 10, le top 11 même de ce Grand Prix E3. Big Bang classique avec la victoire de Wood Van Aert devant Peter Sagan, Seb Van Mark, Van Avermaet, Nasson, Langeveldt, Poli, Terpstra, Julianssen et Philippe Gilbert. Et Sinkeldam 11e. Stuyven 12e, Lawless 13, Boissonnaghen 14 et Tijbenhout 15. Je vous passe donc bien évidemment le classement en entier. Si jamais vous recherchez quelqu'un, on a Demar 31e et Saro 33e. Voilà, qui n'ont pas fait une course de dingue. Mais ils se sont fait piéger. Si j'avais su, j'aurais suivi la première attaque avec Sinkeldam, pourquoi pas. Bon, on peut pas refaire la course, hein. Et donc, du coup, le dernier, Maison. Pour l'Arkea à 26-38, à 26-8, pardon, qui a dû souffrir aujourd'hui, qui a dû souffrir, pardon, pas qui a dû souffrir. Donc voilà, bah, les amis, on se retrouve immédiatement pour le Gant Wevelgem. Nous sommes partis, les amis, pour donc ce Gant Wevelgem. Après les deux courses qu'on a eues, on est donc parti pour le Gant Wevelgem. E3 à Harelbeek rugueux, puisque je ne l'ai pas encore tourné, tout simplement pour faire les starties, c'est plus facile. C'était plus facile pour moi de faire d'abord de la panne, ensuite Gant-Wevelgem, puis après les trois grosses Flandriennes. Donc, comme vous allez voir, le parcours de Gant-Wevelgem est pas terrible puisqu'il n'y avait pas d'autres Flandriennes. Enfin, il y a que trois Flandriennes plus le Paris-Roubaix sur le jeu. Donc, bah, j'ai été obligé de prendre un parcours un peu moins dur pour Gant-Wevelgem. Et en plus, en réalité, le parcours de Gant-Wevelgem, il n'y a quasiment pas de pavé. Donc, j'ai pris un truc un petit peu vallonné, mais pas trop, sans pavé. Vous allez le voir. Donc, on est parti du coup avec la AG de Zera Mondiale. Je vous fais défiler lentement, hein. Si vous cherchez qui est le leader de chaque équipe. Voilà la De Koninck toujours avec sa grosse équipe. Viviani qui sera évidemment, pourquoi pas, un grand favori pour aujourd'hui. Bon, je passe un peu plus vite parce que c'est un peu long. Sunweb, Ineos, Direct Energy, Trek-Segafredo, UAE. Avec Philipsen et Pasqualon. On est donc parti. J'espère que j'ai pas fait d'erreur encore sur les startlists. Et on est donc parti pour ce Gant Wevelgem. Donc c'est un peu bizarre parce que là, du coup, je tourne avant le Grand Prix E3 à Harelbeek. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé avant. Je sais juste que eh ben, c'est Groenewegen qui a remporté, hein, le Bruges-la-Panne. Par contre, ce qui s'est passé sur le Grand Prix E3 à Harelbeek, je n'en sais rien. Donc du coup, voilà, la même équipe, hein, que tout à l'heure. Et donc voici la course que j'ai choisie avec Abbeville-Le Havre. Donc comme vous le voyez, c'est pas une course très compliquée, mais accumulation du vent, des difficultés, parce que il n'y a que 4 difficultés répertoriées, mais en vrai, quand on regarde le parcours, il y en a beaucoup plus. Et bah du coup, ça risque d'être une course très 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 sympathique. Donc il n'y aura pas de pavé, mais si vous regardez le parcours en réalité, il y a à peine 5 km de pavé cumulé. Franchement, c'est pas énorme, ça fait pas une grosse perte. Donc voilà, j'ai préféré ne carrément pas en mettre. Donc on va partir à Abbeville-Le-Havre et dès qu'il se passe quelque chose, on se retrouve les amis. Donc je pense qu'on va se retrouver, voilà, au niveau des côtes dans le final. Et à mon avis, j'espère qu'il y aura du vent. J'espère qu'il y aura du vent pour pas avoir une course un peu trop ennuyante, hein. Les favoris Sagan, Groenewegen, Viviani. J'espère que Groenewegen, Viviani, ils seront sur le côté avant l'arrivée. Bon, Viviani à la rigueur, peut-être pas, mais Groenewegen, normalement, si tout se passe bien, Groenewegen, il franchit pas la ligne avec le peloton. Bah super, mauvaise forme avec Desmar. On est tout de même parti. Elle va être sympa, hein, l'échappée pour Anthony Roux aujourd'hui. Il est tout seul. Bon,
Bon, si ça va au bout, normalement, il n'y a pas trop de difficultés pour lui pour s'imposer. On a 40 km de l'arrivée, il y a déjà des bourrasques, hein. Il y a déjà des bourrasques, même s'il n'y en a pas techniquement sur le profil. Comme vous voyez, il y a le peloton qui se casse en deux parfois. Donc écoutez, on est toujours dans l'échappée avec roue, hein. On va faire notre plus long voyage possible. Et du coup, a priori, ce sera pas une échappée qui s'imposera, mais bien un favori, un sprinter, ou peut-être un puncher, ou peut-être un puncher qui aura fait la différence dans le final. On verra bien. Bon, je vais repasser. Non, je vais rester sur roue pour l'instant, même si ça n'a pas trop d'intérêt. Écoutez, juste pour qu'il y ait des vrais bourrasques devant et des vraies bordures, et ben je vais jouer les 20 derniers kilomètres avec Arnaud Démare. Je vais faire aucune simulation, comme ça j'espère qu'il y aura vraiment du vent. Parce que là on voit que le vent souffle déjà très très fort. S'il peut y avoir des grosses bordures pour que ça casse vraiment et pas qu'on ait un vieux sprint à 150, ce serait top. 15 km de l'arrivée, déjà des favoris lâchés. Jan Stannard ici à Trentin. Matteo Trentin, Sonny Colbrelli et Christophe Laporte, entre même de gros sprinters qui ont été distancés à 15 km de l'arrivée. À mon avis, l'écrémage n'est pas fini. Allez, faut s'accrocher à l'avant du peloton avec Arnaud Démare. Mauvaise forme, on le rappelle. Et regardez, on n'est plus que 35, on est plus que 35. Ça craque juste ici au niveau de Tyler Finney, pardon. J'ai cru que c'était Alberto Bettiol. Allez, ça craque. Van Avermaet aussi, on a vu dans le groupe à l'arrière. Allez, c'est presque mieux que s'il y avait des pavés ou des côtes encore une fois. Le vent fait vraiment toute la différence. Et je vous assure que si j'avais simulé jusqu'à l'arrivée, rien de tout ça ne se serait passé. Allez, attaque d'Oliver Nelson qui tente des choses à 12 km de l'arrivée. Allez, on arrive à Wevelgem, on est 31 dans le groupe. Bon, il y a des petites attaques. Nelson Powles notamment qui a été distancé. Daniel Martin, Tony Martin, autant pour moi. J'ai cru que c'était Daniel Martin. Donc Tony Martin qui tente de sortir avec Oliver Nelson. Ça peut être payant. Allez, nous on s'accroche dans ce groupe avec Arnaud Démare. Niveau de la barre bleue, ça tient facilement. Allez, on est sorti à 6. En vrai, ils étaient 34 à être arrivés dans le même groupe. Là, je pense qu'on est plutôt parti sur de bonnes bases pour faire un petit peu comme en vrai. Allez, c'est fini pour la zone devant maintenant. Ça se jouera à la pédale. Allez, Van der Hoorn qui emmène Dylan Groenewegen. Allez, on récupère un petit peu avec Arnaud Démare. Dans un groupe de 6, le peloton va certainement nous revenir dessus. Peut-être que vous voyez un de vos coureurs. Les plus petites équipes, hein, ont perdu tous leurs coureurs, hein. On voit même Sonny Colbrelli qui a été distancé lui aussi. Allez, nous on a encore Sinkeldam et Guarnieri. Franchement, là, il y a quelque chose à faire, hein. On a un beau beau train. On a très beau train même. Allez, plus que 30 coureurs du coup dans ce peloton. Allez, faut s'accrocher. J'ai plus de rouge par contre. J'ai plus de rouge. Adam Blatt qui vient emmener pour Caleb Ewan. Où sont mes coéquipiers? Allez, venez. 110. 110. C'est plus le moment de rigoler là. Il reste 1 700 km. On va pas tarder à lancer le sprint. Est-ce qu'on peut aller chercher second Wevelgem avec Arnaud Démare? Les Sinkeldam qui nous emmène. On est très très bien emmené. On est très très bien emmené. On est parti sur la droite de la route. Oliver Nelson sur la gauche. Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que ça peut le faire avec Arnaud Démare? J'ai lancé beaucoup trop tôt. J'ai lancé beaucoup trop tôt. Et c'est qui vient s'imposer? C'est Elia Viviani. Victoire d'Elia Viviani, le champion d'Europe. Et j'ai lancé beaucoup beaucoup trop tôt avec Arnaud Démare encore une fois. Bon, pareil pour Marc Sarraut qui vient du coup chercher la 31e place. J'ai lancé bien bien trop tard sur la droite de la route. En plus, j'aurais plus dû prendre la gauche. Mais je voulais vraiment pas être gêné. Ni gêné, parce qu'à chaque fois que je gêne, on me fait la remarque. Bon, je vous assure que je fais jamais exprès de gêner. Et donc, par contre, là, il n'y a pas photo. C'était Elia Viviani qui venait chercher et qui vient chercher la victoire. Donc, aujourd'hui, devant Peter Sagan. Devant Peter Sagan, Dylan Groenewegen. Ça doit être Jasper Philipsen, j'imagine, pour la UAE. Là, on doit être sur Wout van Aert, Oliver Nassen, Caleb Ewan et Arnaud Démare. Du coup, on fait 9e si mes calculs sont bons. Victoire d'Ilia Viviani, du coup, sur ce grand Wevelgem devant Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Jasper Philipsen, Wout van Aert, Oliver Nassen, Caleb Ewan, Arnaud Démare, on fait 8. Michael Matthews, 9e et Mikael Morkov, 10e. Et Non, je vais rien dire. Morkov, il fait pas du tout 10e sur le 2 pattes, je me suis trompé. Donc, Morkov, 10e. Estuyven, 11e. Ackermann, 12. Blythe, 13. Gilbert, 14. Et Nikita Hoekstra, 15. Et donc, bah voilà. Après Dylan Groenewegen et Viviani. Bon, je tourne pas dans l'ordre, donc faut que j'arrête de dire ça. Mais voilà. Sur les deux classiques plus abordables pour les sprinters, on a eu vraiment des sprinters qui se sont imposés. Et du coup, il y a eu l'écart, hein. Il y a eu l'écart de créer, voilà, avec une arrivée à 30. Bon, Sinkeldam et Guarnieri, ils ont pas trop fait d'efforts, on va pas se mentir, ils sont restés tout à l'arrière, hein. Bon, c'est pas grave, ils auraient pu accrocher un top 10 peut-être, c'est pas trop grave. Et du coup, avec Arnaud Démare, 8ème place, c'est pas top, c'est pas top. Je vous passe l'intégralité du classement si jamais vous cherchez peut-être quelqu'un, coureur de votre équipe, hein. Il y a des sprinteurs comme Trentin, Laporte qui se sont complètement troués et qui se sont fait avoir par la bordure. Et donc voilà pour le classement général avec Tom Leaser qui finit à 9 minutes 16. 9 minutes 6 plutôt, puisqu'il y a des bonifications soi-disant qui ont été comptées.
On va partir du coup pour le à travers la Flandre. Dernière course avant le Tour des Flandres. Dwars Door Vlaanderen, ou plus communément en français, le à travers la Flandre. Donc je vais vous présenter rapidement les startlists, mais ça change pas de d'habitude, hein, globalement. Là, G2R la mondiale avec Oliver Nassen, Arkea Samsic, y a personne. Astana avec Alexei Lutsenko, pourquoi pas. Borensgrohe avec Peter Sagan, Barry Merida, Mohoric, la CCC avec Van Avermaet, Cofidis, Whitens, De Koninck, Philippe Gilbert, qui s'est un peu raté hein, sur le E3. Boissedagen pour la Dimension Data, l'Education First avec Sepp Van Marck, Groupe AMFDJ, on a Arnaud Démare, la Jumbo Visma avec Wout Van Aert, Katusha Alpecin avec Nils Polite, Lotto Soudal avec Tish Bennott, Bill Chadon-Scott avec Matteo Trentin, la Movistar avec Jascha Zetterlin, la Rumpot bah, qui ne court pas, Michael Matthews pour la Sunweb, la Team Ineos avec Dylan Van Baarle, Direct Energy, Nicky Terpstra, Trek Segafredo avec John Degenkolb, la UAE avec Alexander Kristoff et la Monty-Gobert avec Bakkar et aussi Xandro Meurice et Johan Ofredo. On va partir du coup du côté de la groupe AMFDJ, même équipe que sur l'E3 avec donc Démare, Kung, Saro, Konovalova, Sinkeldam, Armirail et William Bonnet. Voici le parcours. Donc on a 9 secteurs pavés, donc il y en a un peu moins que tout à l'heure, hein, mais voilà, ce sera quand même une course assez difficile. Un peu plus ouverte, pourquoi pas, donc avec seulement 9 secteurs pavés, pardon, mais un peu moins difficile. On est parti donc, Ypres, Arenberg, Porte du Hainaut. Si j'ai pas de bêtises, l'arrivée est à Oudenaarde en réalité. Par contre, le départ, j'en ai aucune idée, donc je vais aller me renseigner un petit peu. Désolé, l'arrivée est pas à Oudenaarde, elle est à Wargem, effectivement. Donc du coup, entre Roulers et Wargem, bon, là on a Arnaud Démare en excellente forme et un Sinkeldam au plus bas de sa forme. Pas de discussion possible, Arnaud sera le leader incontesté pour aujourd'hui. On va encore envoyer Konovalov dans l'échappée, on est parti. On change pas une équipe Bonjour qui à tous. gagne. Dans cet état... On est à 17 km de l'arrivée dans l'avant-dernier secteur avec Arnaud Démare et c'est parti du coup. Dans à peine 500 mètres, on va l'attaquer. Christophe Sagan et Gilbert ont fait les écarts à l'avant. On a Van Marck juste derrière qui vient de se faire attraper d'ailleurs par le peloton de 122. Allez, là va y avoir un très gros écrémage. 3700 mètres, le champion du monde juste à nos côtés. Allez, 3700 mètres de pavé. Là, ça va faire très très mal. Il faut rester bien placé avec Arnaud Démare. On va déjà prendre le gel bleu au cas où. Allez, on s'accroche. On est dans le bon groupe. Accélère. On est dans le bon groupe. Allez, Alexander Christophe qui y va. Alexander Christophe qui y va. Il a pas eu sa sélection pour le 3 à Reilbek. C'était assez étonnant d'ailleurs. Mais il est là pour le Tour des Flandres. Il sera là pour le Tour des Flandres. Et il est là pour ce Dwars Door Vlaanderen. Donc attention à lui. Il n'est pas à prendre à la légère. Allez, Philippe Gilbert qui a directement sauté dans sa roue. Du côté du peloton, on est encore avec Van Avermaet, Pedersen qui roule. Allez, Jasper Stuyven qui est ici aussi. Bettiol qui protège cette Van Marck. La performance de Van Marck sur le Grand Prix du Tour Arelbeck a apparemment plu au directeur sportif de de l'AEF Education L'excellent First. sprinter Alexander Et du Christophe, coup, c'est une bonne Bettiol assure. se met à le protéger. La Trek qui mène le peloton. Ah ouais, pas terrible, hein. Pas terrible nos coéquipiers. Voilà, Sinkeldam à ce moment-là avec une excellente forme, il aurait été bah, avec autant de barre bleue que nous. Sauf que là, il est quasiment à plus de barre bleue du tout. Allez, c'est parti. Sagan qui met son coéquipier Daniel Oss a roulé. On est encore 25. Allez, attaque de Jürgen Rolland. Attaque de Jürgen Rolland, ce coureur la Movistar qui fait un Mixé petit sur le écart. contre LM et Wallace Daniel Oss qui prend sur la le dernier sprint. poursuite. Allez, plus que 23 hein, dans ce groupe. On est revenu avec Daniel Oss. Ouais, ça éclate de partout. Hein. Ça éclate complètement de partout. On va revenir sur Philippe Gilbert et Alexander Christophe. Il va donc y avoir un dernier secteur pour déterminer qui sera le vainqueur de ce à travers la Flandre. Allez, c'est Nils Polite qui va. Nils Polite qui va avant le secteur. C'est pas très très audacieux, mais bon. Il en faut. Allez, ah par contre là, il y a un petit groupe qui est sorti. Je pense qu'il faudrait mieux faire la jonction avec Arnaud Démare. Allez, on est dans un groupe de 9. Et derrière, Van Marck en défaillance. Sepp Van Marck en défaillance. Eh bien écoutez, il doit pas être dans un grand jour, hein, parce que pour être en défaillance à ce niveau-là de la course, bah faut le faire quand même, parce que... Ouais, étonnant, étonnant, c'est Van Marck en défaillance, du coup ce sera pas un EF qui remportera la course, à moins que Bettiol soit encore dans le peloton, j'ai pas fait attention. Allez, Matteo Trentin qui est encore là lui, Oliver Nassen aussi. Allez, faut s'accrocher avec Arnaud Démare, ce groupe de 8 là qui va peut-être y aller, ouais, ça revient, hein, le peloton là qui nous revient dessus. Peloton de 26, encore une fois. Attaque de John Degenkolb. Attaque de John Degenkolb. Allez, est-ce que ça va aller au bout? Ça m'étonnerait, mais bon, il faut bien tenter. À un moment, il reste 5 km. 1600 mètres, hein, donc comme je l'avais dit, le dernier secteur. Allez, Greg Van Avermaet qui est encore là. Et on risque d'avoir une arrivée à 24, hein, si ça continue. Marc Sarraut qui est encore là. Marc Sarraut qui est encore là et qui est encore mieux
Au niveau de la barre bleue que Arnaud démarre. Après, est-ce qu'il est. Ah, il est bien placé, hein. Il est très très bien placé, Marc Sarraud. Si jamais Arnaud démarre, on est dans le dur avec lui, on passera sur Sarraud. Allez, Oliver Nasson qui va à la sortie du secteur. Suivi par Van Aert, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert. Et Terpstra. Allez, Polite aussi, Lampard qui va lui aussi. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Enfin, pas du tout, mais bon, voilà, j'ai un truc dans la gorge. Alors, Nasson, Van Aert, du coup, qui sont sortis et qui risquent de se jouer la victoire, hein, si ça continue. Ah, Degenkolb qui va à son tour. Sarraud, écoutez, on va passer sur Sarraud. On va passer sur Sarraud, on va même faire le sprint avec Marc Sarraud. Et je vais demander à Demar de rouler à fond. Voilà, finalement, je pense qu'il vaut mieux la jouer dans ce sens-là. Allez, Arnaud Demar qui nous emmène, du coup. À l'avant, Van Aert, Nasson, Bettiol, et non... Du coup, Bettiol qui protégeait Van Mark est meilleur que Van Mark. Et du coup, c'est Bettiol le leader. Enfin bref, c'est un peu le bordel. Allez, bon, Demar qui craque. On va du coup jouer ce final avec Sarraud. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel ce final de d'à travers la Flandre. Là, on est 19. Ah, Van Avermaet en difficulté avec Anthony Turgis. Effectivement, Van Avermaet en difficulté avec Anthony Turgis à l'arrière. Ce sera pas pour un de ces deux coureurs la victoire aujourd'hui. Allez, Arnaud démarre en défaillance. On va jouer le sprint du coup avec Marc Sarraud. Qui va s'imposer ici à Wargame. Pourquoi pas une troisième victoire de la saison de Wout Van Aert. Allez, allez, allez. Et Lampard, Lampard. Et victoire d'Yves Lampard. Victoire d'Yves Lampard qui surprend tout son monde. Bon, faut qu'on se revoie le résumé là. Parce que désolé, j'ai pas trop commenté. J'étais vraiment concentré. Je regardais si Wout Van Aert allait y aller. On rappelle Wout Van Aert, Loom Loop, le Grand Prix E3. Et aujourd'hui donc, il aurait pu venir chercher sa troisième classique avec le Dwarsdorf Landerun. Mais non. Yves Lampard l'a coiffé sur la ligne, on a eu un final très très mouvementé. Et donc là pour moi c'était une évidence. C'était une évidence que Van Aert vienne chercher la victoire. Regardez, regardez où est Lampard. Lampard est ici pendant que Wout Van Aert est ici déjà. Yves Lampard du coup qui remonte au fur et à mesure. Et là non mais comment Van Aert peut se faire reprendre. Lampard a été impressionnant sur ce final. Et vient donc chercher ce à travers la Flandre. Et oh, ça se joue à rien. Ça se joue à un rien les amis. Et oui, victoire d'Yves Lampard sur la ligne. Po. À peine 10 mètres de la ligne, c'était encore Van Aert. Hein. À peine 10 mètres de la ligne, c'était encore Wout Van Aert en tête. Là, du coup, on a deux classiques pour la Jumbo et deux classiques pour la De Koninck avec 4 coureurs différents. Du coup, Alberto Bettiol qui fait une belle 3ème place tout en ayant protégé tout au long de la journée Sepp Van Mark. Et Marc Sarraud qui fait une belle 4ème place. Hein. Très belle 4ème place de la part de Marc Sarraud. Juste devant Oliver Nasson, Nils Polite, 6ème. Un Van Avermaet très décevant lui aussi. Qui vient chercher la peine le top 20, j'ai l'impression. On espère le revoir un peu mieux sur le Tour des Flandres qui va arriver juste après. On a eu donc une arrivée au sprint et c'est la victoire de Yves Lampard devant Wout Van Aert, Alberto Bettiol, Marc Sarraud qui fait une très très belle 4ème place. Oliver Nasson, 5ème. Nils Polite, 6. Stibar, 7. Donc c'était Stibar et pas Gilbert. Gilbert qui est encore pas dans le coup, hein. Gilbert pas dans le coup, 14ème. Du coup, Stibar 7, Degenkolb 8, c'était bien Degenkolb. Peter Sagan 9ème. Et c'est Jens Kökeler et pas Tish Benoot qui va chercher la 10ème position. Et Matteo Trentin 11ème. La Milton Scott qui n'y arrive pas dans ce début de saison. Arnaud Demar qui fait une 12ème place correcte hein, tout de même après tout. Alexander Christophe 13ème qui a fait beaucoup d'efforts tout au long de la journée. Et Philippe Gilbert 14ème. Et Terpstra 15ème. Et Van Avermaet donc 18ème. Ah, méforme pour Van Avermaet. Ceci explique cela. Qui finit donc à la 18ème place, hein, juste derrière Anthony Turgis. Roland 19ème pour la Movistar. Et Mats Pedersen, le champion du monde, 20ème. Qui s'est sacrifié aujourd'hui pour John Degenkolb qui va chercher seulement une 8ème place. Donc on a eu un à travers la Flandre très très mouvementé encore une fois. Un final très très mouvementé, très cool à suivre. Avec donc la victoire d'Yves Lampard, l'ancien champion de Belgique. Je vous fais passer évidemment le classement général. Et puis ensuite, on se dirigera vers la dernière course de l'épisode avec le Tour des Flandres, Ronde van Vlaanderen. Et c'est Munoz, du coup, dernier de la course, hors délai même. Voici pour nos classements de la course, on s'en fiche un petit peu. Et donc, on est parti, les amis, pour le Tour des Flandres. Je vais du coup régler les starties. On est parti pour la dernière course de l'épisode. C'est parti pour ce Tour des Flandres, les amis. Dernière course de la vidéo. Donc, avec au niveau des starties, du coup, là, j'ai déjà remonté à Anthony Galopin, mais on aura aussi Oliver Nasson à surveiller. L'Arkea Samsic avec de la place. L'Astana avec Alexa Lutsenko. Évidemment, Peter Sagan pour la Barents Greux. La Barimed avec Vincenzo Nibali. CCC avec Greg Van Avermaet.
Nibali, attention, c'est que sur ce genre de parcours, pourquoi pas, on l'avait vu en 2018, si je dis pas de bêtises, donc même si c'est classé comme grimpeur, attention à lui, vraiment, j'insiste. La De Koenig du coup avec Philippe Gilbert, la Dimension Data avec Michael Valgren, étonnant, hein, Valgren qui fait que le Tour des Flandres, qui a pas fait les autres classiques pavés, je suis assez étonné du choix de la Dimension Data, mais bon, on respecte. La EF Education First avec Alberto Becciol, la Groupe AFDJ avec Konovalova, c'est bon, plus Arnaud Démare, Stéphane Kung et Marc Sarro. Jumbo Isma avec Wood Van Aert évidemment, Katusha Alpecin avec Nils Polit, Wellens pour la Lotus Soudal, attention à lui aussi, Daryl Impé, mais surtout Matteo Trentin à la Milchelton, Alejandro Valverde, attention à lui aussi, hein, au même titre que Vincenzo Nibali. Sur le Tour des Flandres, j'ai joué le Tour des Flandres beaucoup de fois sur le jeu, et Valverde est souvent présent dans le final, donc attention vraiment à lui. La Sunweb avec Michael Matthews et Craig Andersen, la Ineos avec Moscon, Calmejane et Terpstra à la Direct Energy, la Trek avec Jasper Stuyven et Degan Cobb, la UAE Team Emirates avec Martin, bon, gagner la course un peu ambitieux, je crois qu'il a pas pris trop en compte les pavés, mais surtout Alexander Kristoff et Laurent Gobert avec Xandro Meurice qui vise un top 20, donc pourquoi pas. On va aller du coup chercher la Groupama FDJ, c'est la même, hein, c'est la même startlist que sur le Dwarsdorf Vlaanderen, donc voilà, on est parti. Là au moins j'ai pas eu à chercher une course spécifique, j'ai pris le Tour des Flandres de base. Bah comme ça on a avec tous les monts pavés et tous les pavés de base, donc ça va être vraiment, vraiment très sympathique. J'espère qu'on va kiffer, donc 270 km, on va pas les faire en entier évidemment. Et on est parti, on se retrouve dès qu'il se passe quelque chose, pardon. Situation cocasse pour le coureur de la Ineos sur la droite là, je sais pas si vous voyez trop bien, bon. Ok bah c'est beau, c'est remis. Allez du coup on est avec Konovalova, je sais pas ce que je fais avec Konovalova, on attaque du coup le vieux Coirmont. À l'avant 11 coureurs, vous les voyez juste ici, si jamais il y a un coureur de votre équipe, ils sont sur la gauche. Et donc bah, on attaque le vieux Coirmont, première difficulté de la journée, 2200 mètres à 4%. En pavé, les pavés sont juste devant nous, donc on est avec Arnaud Démare, hein, aujourd'hui a priori le leader c'est Arnaud Démare. Après je pense plus que ça peut correspondre à un Stéphane Kung, on verra bien selon le suivi de la course, on se retrouve immédiatement s'il se passe quelque chose d'intéressant. Pardon. C'est parti pour un nouveau tour du vieux Coirmont, le deuxième passage. Désormais à l'instant à l'avant, toujours les 11 coureurs, hein. Le peloton 131 coureurs, pour l'instant ça secoue pas trop, on reste là avec Démare, évidemment on est en position de faiblesse, on n'a pas la meilleure équipe donc on peut pas se permettre de faire de manager du coup ce peloton, on laisse la CCC, les équipes de professionnels faire, nous on reste un peu plus en retrait pour le moment. On est parti les amis pour les 20 derniers kilomètres, il s'est pas passé grand chose comme vous pouvez le voir, toujours l'échappée de 11 à l'avant avec Vandenberg qui a fait un petit écart mais à mon avis ça va pas au bout, hein. Une minute d'avance sur le peloton. Il reste encore le Paterberg et tout d'abord le vieux Coirmont. Ok, c'est parti, on reste placé avec Arnaud Démare, même si Stéphane Kung est un peu meilleur que nous pour l'instant. En termes de barre bleue, d'ailleurs, ouais, il va garder son gel bleu pour l'instant. Allez, ça attaque avec Alexei Lutsenko qui va suivre par Tish Benoit, qui sont partis pour l'instant. Un coureur de la Dimension Data, certainement Boissenhagen qui a hésité à y aller. C'est Valgren. Allez, ça roule du coup avec la Jumbo à l'avant. Peter Sagan qui a fait rouler Sam Bennett qui est encore là. Et Tony Martin aussi qui se positionne à l'avant du peloton. Allez, on est encore 46 à ce moment-là de la course, c'est un peu décevant. Comme je vous le dis, j'ai pas trop l'équipe pour contrôler, hein, donc j'ai préféré rester à l'arrière et pas trop me mêler de ce qui se passe. On a encore Sarro, nous, de notre côté. Allez, ils sont bien sortis, hein. Ben Ute Lutsenko qui sont bien sortis. Attention à cette échappée, du coup, de 10 qui peut-être aller au bout. Ce serait quand même étonnant, hein, de voir une échappée aller au bout sur le Tour de Flandre. Allez, Moscon qui y va. Là faut y aller, parce que les principaux favoris sont en train de sortir. Après il n'y aura plus d'équipiers pour rouler de toute façon. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Ou sinon ce sera trop tard. Pas comme on l'a fait sur le Grand Prix U3-Helbeck où on s'est fait piéger. L'échappée ira sans doute au bout en tout cas. Ils sont toujours pas rentrés, oui. On revient sur Lutsenko et Binout, ils sont juste devant. Ils sont juste devant les échappés. Allez, Nieuwenhuis qui a fait un petit écart. Ce serait quand même surprenant de voir un coureur non favori remporter le Tour des Flandres. Pour l'instant, on a eu que des entre guillemets favoris. Hein. Lampard, c'est pas forcément un favori. Mais voilà, c'est pas un coureur de seconde zone non plus. Allez, c'est parti. On va attaquer du coup le Paterberg. C'est là qu'il faudra faire la différence. Après, on est fatigué avec Arnaud Démare. Est-ce que c'est la bonne tactique d'attaquer nous? Ou est-ce que plutôt il faudrait attendre l'attaque d'un autre favori? Allez, 360 mètres à plus de 18%. Et regardez, on a même réussi à leur prendre la roue. Et c'est parfait. C'est parfait. Avec le virage, on est carrément revenu sur eux. Allez, on les attaque. On les attaque dans ce mur, hein, véritablement. Là, on est sur des très très forts pourcentages. Lutsenko derrière qui est revenu. On est dans un peloton à 41, mais ça va craquer. Au sommet, ça va craquer obligatoirement avec la descente. Allez, on passe au sommet. Nieuwenhuis
Il lui reste 20 secondes, le coureur de la Sunweb, à 12 km de l'arrivée, autant vous dire que bah c'est ça va être mort. Ça va être mort selon moi, ça va être impossible qu'il résiste. Allez, on est sorti avec Arnaud Desmarais, on a Christopher Lawless et Alexei Lutsenko dans la roue. Attention, hein, attention, Lawless a fait l'échappée quand même. Mais Lutsenko, il est pas à prendre à la légère du tout. Et je m'y attendais, hein. Je m'y attendais à ce qu'on le voit dans ce final. Et Dimitri Klaes qui est là aussi. Allez, on va revenir sur Nieuwenhuis, malheureusement pour lui. 10 km encore. Derrière, le groupe d'échappée qui nous revient dessus. On est donc un groupe de 11. Est-ce qu'il y a des favoris? Il y a Nassen Van Avermaet à l'arrière. Et Alexander Kristoff notamment. Qui sont avec nous. On a Lutsenko juste ici. Allez, on revient sur Nieuwenhuis. C'est cruel. À 9 km de la ligne. On revient du coup sur... sur comment il s'appelle? Je me souviens plus de son prénom, autant pour moi. Joris Nieuwenhuis. Je vais juste dire son nom de famille, ce sera plus court. Allez, attaque! Attaque d'Alexei Lutsenko. Attaque d'Alexei Lutsenko. On va passer sur Stefan Kung, puisque là, pour Arnaud Démarre, la barre bleue commence à être petite, on va dire. Il s'accroche, hein, s'il peut. Comme ça, on fera le sprint avec lui, pourquoi pas, dans le final. Mais là, c'est un peu trop dur pour lui. Allez, Stefan Kung, du coup, on reste dans le groupe. Van Avermaet qui est sorti avec Bechol, Nassen et Lutsenko. Ah, voilà. J'avais peur que ce soit des échappés qui remportent le Tour des Flandres. Là, au moins, on est sur des vrais favoris. Allez, Stibar qui va. Accompagné d'Yves Lampard pour emmener certainement Philippe Gilbert pour la De Koninck là en force. Hein. La De Koninck en force. Allez, on est dans le bon groupe. 26 coureurs hein, encore à 6 km de la ligne. C'est un peu décevant quand même. Et attaque de Peter Sagan. Attaque de Peter Sagan à 5 km de l'arrivée. Attention, attention, parce qu'il est très 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 bien sorti, Peter Sagan. Ah bah, et on va reprendre Desmarre. On va reprendre Desmarre, il a autant de barre bleue que Kung. J'ai fait le con avec Kung, je sais pas ce que j'ai fait. Allez, 5 km. Sagan qui est bien sorti. Sagan qui est très très bien sorti, attention. Allez, on est encore 20 dans le groupe. Attention à Peter Sagan. Hein. Ah non. Gilbert qui lui revient dessus. Un duel de champion. Ou alors un duel de sprinter dans le peloton. Puisque là, ouais, 3 km 700, il y a à peine 8 secondes. Je vois mal comment ils peuvent leur venir dessus. Ils peuvent résister. Allez, 3 km 500, désolé, je me grattais. Je me grattais un petit peu. Hop, voilà. Allez, Kung qui est encore là au cas où. Même si, bon, niveau sprint, Kung, c'est pas terrible. Allez, faut s'accrocher. Ce serait bien que ça ralentisse un petit peu. Ah, attaque. Attaque d'Oliver Nassen. Attaque d'Oliver Nassen. On signale une contre-attaque. Alberto Bechol qui y va. Craig Van Avermaet aussi. La flamme rouge qui est dans quelques encablures. Allez, Arnaud Desmarre, on est obligé de faire l'effort alors que c'est pas à nous de faire l'effort, c'est à Stefan Kung, c'est incroyable ça. On s'est fait piéger, la victoire va se jouer à l'avant, Ah bah, Kung fait le sprint, hein. Kung fait le sprint évidemment. Qui est-ce qui va s'imposer parmi ce groupe de 9 coureurs? Je mettrai une pièce sur Wout Van Aert, il est très très en forme. Alexander Kristoff qui lance le sprint, à 400 mètres, à 300 mètres, il est encore en tête. Bon, par contre, Kung, fais le sprint s'il te plaît. Oh, c'est quoi ça, c'est bugué, c'est n'importe quoi. Hop, je regarde juste. Ouais, bon non. Il a décidé de pas faire le sprint, il va pas faire le sprint, tant pis. Qui va s'imposer du coup à l'avant 100 mètres? Ça a l'air bien parti pour Alexander Kristoff. Et c'est Alexander Kristoff, le lauréat du Tour des Flandres 2019. Et nous avec Arnaud Desmarais, on fait une 13ème place, je crois bien. Mais bon, c'est pas bien grave. La victoire revient au coureur de la UAE Team Emirates, Alexander Kristoff. On va voir ça tout de suite au ralenti. Voici donc la flamme rouge de ce Tour des Flandres avec Alexander Kristoff et Peter Sagan à l'avant de ce groupe. On a Oliver Nassen qui avait fait un petit écart. Donc voilà, la flamme rouge avec Oliver Nassen, Peter Sagan qui lance le sprint. Ah donc il lance pas le sprint, qui se remet sur sa selle, ok. Ensuite donc, on a Alexander Kristoff sur la gauche de la route. Et oui, qui avait pris une très 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 large avance sur ses concurrents. Alexander Kristoff qui a donc été très fort et qui fait mentir du coup son directeur sportif qui ne l'a pas mis sur le Grand Prix E3 à Hollbeck. Il aurait dû lui faire confiance et donc bah voilà, il lève les bras assez loin de l'arrivée même. Il s'impose très très largement ici à Oudenaard, juste devant Wout Van Aert qui fait une deuxième place d'affilée. Puis ensuite Alberto Bechol qui fait une troisième place d'affilée. Et Oliver Nassen qui vient chercher la 4ème place. Alexei Lutsenko 7ème qui a fait une très belle course. Et Peter Sagan 8ème. Et ensuite Tish Benoit qui fait une belle 9ème place. Et derrière la 10ème place revient à, je dirais, Kasper Asgreen. Au vu de la corpulence. Et du coup 13ème ou alors 14ème, je sais plus, j'ai plus compté. Arnaud Desmarre. Alexander Kristoff qui vient donc s'imposer ici sur ce Tour des Flandres.
Juste devant Wout Van Aert, Alberto Bettiol, Oliver Nassen, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet, Alexei Lutsenko, Peter Sagan, Thibaut Benotti, Casper Asgreen qui vient compléter le top 10 à 19 secondes de ce groupe. Et donc c'était Mitchell Docker, hein, 11e, bien joué à lui. Christopher Lawless et Padjani Moscon, 12e, Arnaud Demar, 13e et Zdeněk Štybar, 14e avec la 15e place de Yuli Jensen, meilleur coureur de la Mitchelton Scott. Je vous passe donc le classement général si vous cherchez un coureur en particulier. Tony Galoppa un peu décevant, Alejandro Valverde aussi un peu décevant à 3.41, je m'attendais mieux. Attendez, je vais revenir, je cherche Vincenzo Nibali, 55e, ouais, il aurait peut-être pu faire mieux, bon, c'est pas trop grave. Et donc voilà, dernier, Munoz qui finit à 52 minutes 01. Et donc voilà pour ce Tour des Flandres, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, un peu longue tout de même, hein, même s'il n'y avait que 5 courses. Et j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Ça a été très cool de faire toutes ces 5 courses flandriennes. La prochaine fois, on se retrouve pour le Tour du Pays Basque et Paris-Roubaix, donc à ne pas rater, Pays Basque plus Paris-Roubaix, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que vous répondrez au rendez-vous. Allez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à rejoindre le Discord qui est en description. On vous attend. Et désolé, j'ai regardé un truc qui m'a fait rire. On vous attend et donc on se retrouve bientôt, peut-être dans 2 jours, hein, si tout se passe bien, pour la suite de cette carrière. Allez, à plus.